femme qui met code sur son téléphone, tu ne la maries pas. Arrêtez de fouiller le téléphone de vos partenaires. Fouillez. La femme qui cache son téléphone trompe son mari. Une femme qui fouille dans le portail de son mari, c'est une sorcière. Aucune femme dans sur cette terre-là n'est fidèle. Mais mon gars, toi aussi, toi-même tu sais pas qu'on te trompe. Ah, pourquoi ma femme ne veut même pas qu'elle touche à son téléphone même? Quand elle me voit venir net, elle casse ça dans sa valise. Moi-même, ma pro femme, je ne connais pas la couleur de son téléphone. Hey! Tout est gâté. Ou bien c'est parce qu'elle me trompe. Mais mon gars, toi aussi, toi-même tu sais pas qu'on te trompe. On te trompe. Ah bon? Je vais te dire ça. Écoute ça très bien. Une femme qui ne veut pas que tu touches à son téléphone. Une femme qui met à tout moment son téléphone sous mode vibreur. Silencieux. Mode éphémère. Ah! Qui retourne à tout moment son téléphone. Son téléphone est à tout moment dans le sac. Moi, je n'ai jamais vu son téléphone mettre des yeux. On te trompe. Ferme-moi. Mais à tout moment, elle me dit que non, ce téléphone est en panne. C'est faux. Tu es trompé. Ok. Moi, je me suis dit, c'est parce qu'elle est fidèle qu'elle me cache son téléphone. Tu te trompes, mon frère. Ah bon? Donc, on doit fouiller dans le téléphone de nos femmes. Fouillez vivant dans les téléphones de vos femmes. Non. Mais aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Qu'est-ce qui se passe dans le téléphone depuis on ne peut pas toucher là? Ah, maman, je ne comprends rien. Une femme qui met code sur son téléphone, tu la maries pas. Hey! Mais on fouille ça comment? Tu rentres dans WhatsApp, souvent tu mets Mougou. Tu mets baise. Sur le mot baise a été écrit, ça sort. Hein? Tu mets tous les trucs, ce qui va sortir, tu vas voir. Arrêtez de fouiller le téléphone de vos partenaires. Les gars, vous êtes d'accord avec lui? Jamais. Les gars, fuyez. Arrêtez de fouiller le téléphone de vos partenaires. Fouillez. Tout est gâté. Kaes, pourquoi tu ne veux pas qu'on fouille dans le téléphone de nos partenaires? C'est pas bon. Mais pourquoi? Tu peux pas empêcher quelqu'un de te tromper en fait. Donc si elle veut bien comprendre, il n'y a plus femme fidèle dans ce monde. Aucune femme dans sur cette terre-là n'est fidèle. Mais seulement, faut pas pousser la personne à te tromper. Pousser en comment? Tu es avec quelqu'un, tu es partenaire à quelqu'un, tu donnes pas l'argent à la fille. Tu n'es quasiment pas attentionné, tu n'es jamais là. Ça pousse l'autre à aller voir ailleurs. Mais c'est une femme qui doit fouiller dans le téléphone de son mari. Une femme qui fouille dans le portail de son mari, c'est une sorcière. C'est un dragon qui est là. Un esprit mami wata. Hey! Mais elle doit verrouiller son téléphone à son mari. La femme ne doit pas verrouiller son téléphone à son mari. Hein? La femme qui cache son téléphone trompe son mari. Mais l'homme doit verrouiller son téléphone, non? L'homme, en tant que détenteur de tous les fichiers de la famille, se doit de verrouiller son téléphone. Oh! Le mari qui cache son téléphone protège son foyer. Petit. C'est pas bon. Oh, tu t'es là-bas! Mais si elle refuse de donner son téléphone. Si vous avez une femme qui vous dit qu'on ne regarde pas son téléphone, mon frère. Oui. Prends-la, elle ou son téléphone ou son bagage, fais-les sortir. Ah bon? Une femme même qui met code sur son téléphone, son mari doit la divorcer le même jour. C'est-à-dire le jour où il voit qu'elle a mis le code, qu'il a tapé le code, que ce n'est pas passé le même jour, il doit mettre ses bagages dehors. Hein? Ça veut dire que tu la partages avec quelqu'un. Hey. C'est une femme qu'on ne marie pas. Ah, on dirait que lui, il a commencé, hein. Mais aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Milou. Alors moi, c'est aller jeter pour ma femme l'audio. C'est pas bon. Oh, la belle piscine. Faut partager la vidéo. Ok. Alors, je vous fais de gros bisous. Tous les noms que vous m'avez regardé, vous n'avez qu'à vous bonner.